Yukai dit, Yukai Doo. On se retrouve pour cette nouvelle partie sur les aventures de Ethan Carter. Petite parenthèse à tant qu'à faire. Vous vous souvenez, je me suis arrêté lors du précédent stream au pied du barrage, en fait, par lequel on arrive pour explorer les lieux. Et il se trouve que pour arriver à cet endroit-là, je suis passé par tout un tas de grottes en aboutissant à la fin avec cet engin. Et mon objectif est bel et bien de découvrir et traverser ça, chose que j'ai faite pour aboutir en bas du barrage. Ceci dit, pendant que je me suis déplacé là, si vous avez regardé le précédent stream, j'ai dit « Oh, je vais regarder sur le côté s'il n'y a pas des issues ». Et quelqu'un de très bien intentionné avait bien noté ça et m'a fait remarquer que l'issue que j'ai passée en me disant oui c'est pas important pourrait très bien avoir une incidence ou quelque chose d'intéressant à révéler. Alors on va aller jeter un œil. C'était une petite issue qui était sur la droite. Enfin sur la gauche, on était dans le bon sens mais maintenant sur la droite. Éclairé, il me semble. Mieux. Donc voilà cette zone inexplorée. Accueil à coup d'infrasons. Je ne répète pas ce que j'ai répété tout le long des intros de stream. On ne regarde pas ceci si on a l'intention de parcourir le jeu. Ce serait se gâcher stupidement la narration qui est aux petits oignons. Si vous voulez vous faire une idée du jeu, rembobinez au tout premier stream qui s'intitule Premier pas. Et qui ne révèle absolument aucune énigme, enfin quasiment rien quoi. Et en une demi-heure de temps, vous pourrez vous faire une idée sur le jeu, si vous fait envie. Mais tous les streams qui sont numérotés, hop, vous les zappez. Sinon vous allez vous pourrir le plaisir de l'exploration, qui fait la quasi-intégralité de ce jeu quoi. Je vais descendre loin comme ça les amoches. On va rusher un peu. Non mais là c'est bon, je vais au 17e sous-sol de l'enfer. D'accord, c'est de mieux en mieux. C'est tentant. Hein. Faut vraiment se farcir tout d'un bout à l'autre. Salut, je n'y vois rien, mais j'y vais. Pour le précédent stream, ils auraient pu mettre une falaise. Ils se sont abstenus, ils ont laissé un mur. Ils sont des bons candidats comme moi. Ce serait dommage de les faire clapser sur une simple erreur de jugement. Salut. Alors. Ça, c'est le renfoncement en bas à droite que j'ai fait de dos. Et donc, j'arrive. Vous êtes ici. Et bah, je vais aller voir dans le gros creux. Non,
je suis arrivé par le truc tout noir. Moi, je m'en rappelle. Bon, eh bien, je vais en mettre en route mon neurone de blonde. De toute façon, comme dirait le père Yoda, explorer, il te faudra. Donc autant se perdre tout de suite. Hein. Oui, bonjour. Qui toi? Alors là, il y a un slip qui vient d'être bousillé. Pourtant, je suis pas très jumpscare. Et l'autre, je sais pas ce que c'était son propos. Sérieux. Toi, t'as envie que je m'en aille. Bah, je vais insister, je crois. Bon, note pour plus tard. Dès qu'on voit un espèce de zombie mutant qui a oublié de faire des masques à l'argile, on se barre. C'est plutôt bon à savoir. Renfoncement à ma gauche, petit décalage à droite. Oui. La carte. Oui. Mais je vais y arriver. Vous êtes ici. Ok, moi je vais aller là-bas où il y avait l'autre abruti, mais. Alors, je trouve une astuce. Trouver une petite astuce. Il pue. Alors, il n'y a pas vraiment d'horreur dans ce jeu. Mais il y a toujours une bonne tension. Hein, genre, on vous rappelle que. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur. Faut pas dormir ici, c'est mal. Ouais, puis tu me sautes à la gueule. Oh putain. Oh putain, Gekong. C'est la porte de l'étoile là. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Arriba, muchacho. Portail. Personne. Enfin, personne. Ce qui en reste. Des symboles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as des copains, toi? Me réponds pas, surtout. Quel manque de civilité. 6. Enfin, 5 maintenant. Donc, monsieur a des copains cachés ici, il faut que je les trouve.
Alors, si je comprends bien, faut que je joue à cache-cache. Non, à décache, décache. En évitant de me faire surprendre par un certain fantôme vénère. Je suis ici. Ok, je vais aller là-bas donc. Air dégagé. Salut. Taperais bien un coup de carte si c'était possible, c'est pas désagréable. La musique du drame dramatique. Donc plus qu'un psychopathe avec une tronçonneuse et une bonne envie de cavaler. Attention, je ne vais pas tarder à basculer en mode blonde. Ou t'es genre il va me faire changer de chemin juste pour que le peu de mémorisation que j'avais réussi à effectuer parte en sucette totale, ce qui est pas très très gentil. Vous êtes ici, c'est fantastique mon ami. Ouais, je suis ici, c'est génial. Oh. 4. Je retombe sur pervers pépère. Je pourrais. Alors c'est pas mal, ça me rappelle un peu le premier Alien, où il n'y a rien de spectaculaire à l'écran, mais c'est tout dans la tension. Parce que là, de savoir qu'on a un voisin de labyrinthe potentiel, ça incite pas à rusher comme un cochon. Oh là là, je vais finir par vraiment me lourder. Alors, ce qui me perturbe, c'est cette carte qui change de place. Okay. Je n'arrive pas vraiment à voir ça, d'accord. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Oh, ça, j'ai pas fait moi. Et c'est là que je vais voir, monsieur. Oh, tu as pas une pastille?
coup, je sais même plus à combien on en est. Et puis, je sais même plus comment on retourne. Monsieur, monsieur, j'ai trouvé des pastilles à la menthe si tu veux. Ben, on est un peu pas un grand indice. Ce plan. Donc sur ce mur. J'ai la seule impression de tourner en rond. Et je pense que c'est pas totalement une impression. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose. Il est gonflant, lui. Pas trop son utilité à part me gonfler, mais vraiment. J'ai l'impression d'être passé 10 000 fois ici. Je suis perdu. Je pense que ça va être le stream le plus long de la série. La sortie, j'ai même pas songé à réfléchir. Ouais, je retrouve le petit passage là que j'avais trouvé tout à l'heure. Et y a Monsieur Montol qui va pas tarder à venir m'ennuyer, je présume. Je vais l'appeler comme ça, Monsieur Mantel. Eh bé! J'ai pas le téléphone qui passe pour me taper un petit Google Maps. Faut vraiment que je retrouve ce passage avec la colonne. Sinon, je vais être très malheureux. Ça, non, ça, mieux. Donc moi, je veux bien aller à droite et deux fois à gauche, si Monsieur Mantol ne vient pas contrarier mes plans. Oh putain. Il a l'air de pas vouloir que j'y aille.
Mais je peux passer. Yes. Donc c'est bien dans l'espèce de grosse pince. Est-ce que ça m'a avancé mon histoire de code à la noix là-haut? Oui, mais il me manque une personne, sérieux. Eh oui. Eh oui. Sur cette rangée. Oh purée. Bon, je suis sincèrement désolé, mais je vais y aller en mode brut. Je vais dire que la personne qui me manque. Elle venait d'un coin aux zones papy menthol. Ou pas. Allez, un petit corps. J'ai jamais autant désiré un corps que dans ce jeu. Pas d'où il est sorti, papy, ça devait être derrière moi. J'ai entendu le boum de Monsieur Menthol qui vient me partager un petit peu de stress. J'ai fait ça. Que là où le gars apparaît, c'est peut-être là que j'ai des chances de trouver un bout de mort, peut-être. Si on jouait à l'idiot. Non. Tient plus du script aléatoire que. De l'événement qui a une cohérence. Je suis très 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 déçu d'être bloqué juste sur un corps que j'arrive pas à découvrir. Yes, yes, yes. Est-ce qu'on pour tour? Non, ça me tente pas. Ça me tente pas. Par contre, ce côté-là. Putain, d'ailleurs, c'est même pas ce qui correspond à la carte. Deux couleurs parallèles. Ça. Là, je vais repasser dans la salle. Faire ça, on va passer dans la salle. Mais de l'autre côté, il devrait y avoir une map pas loin d'ailleurs. Où Monsieur Menthol? Bingo. Alors, ça va pas loin. Je vais les check tout de suite. Pas très efficace. Quoique j'ai pas fait tout le coin extérieur du bas, il me semble. Je vais voir. De toute façon, ça va se résumer à tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche. Enfin, tourne à gauche, va toujours tout droit. Et tourne à gauche. Non, pas aujourd'hui. Non, monsieur Ventol.
C'est étrange cette manie de suivre les gens et d'exploser. Ah, monsieur Mantel, si au moins tu pouvais me servir d'indication pour trouver le corps qui me manque. Tu n'as pas idée comme je t'en serais reconnaissant. C'est toujours par là qu'il apparaît, j'ai l'impression. Sérieux? Je suis retourné à l'entrée. Je me déteste. Qu'est-ce que je n'aurais pas exploré? Parce que j'ai sincèrement l'impression d'avoir fait tout le tour du truc. Je vais essayer de longer par la gauche tout le long. On verra si j'ai plus de chance. Ce qui serait dommage, c'est que je cours et que je passe à côté sans le voir. Ce dernier petit corps qui résiste. Hop, bâbord toute, ça marche pas. Bâbord à fond. Pas de monsieur Mantol, s'il vous plaît. Pourquoi il apparaît toujours ici, ce truc? J'ai raté quelque chose? Non. Non, c'est un randome. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Bon, un petit plan, ça ne me dérangerait pas, là. Ça serait fort à propos. Le grand couloir, c'est ça. Et je pense que par là, j'ai pas trop regardé comme il faut, peut-être. Damned! C'est dommage quand même de se retrouver coincé pour un petit bout de corps qu'on n'a pas découvert.
je suis bien où je souhaitais être. Mais c'est assez incroyable que j'ai pas trouvé de corps. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir parcouru l'intégralité de la carte. Là, je veux bien passer par là, mais je vais juste déclencher notre ami qui a des problèmes de gorge. Ouh, je me sens so useless. Non, so powerless, on va même dire. Purée de purée de purée. Que je vais abréger le stream si ça continue encore un moment, parce qu'il n'y a rien de plus pénible que de regarder quelqu'un tourner autour du pot sur un stream. Je pense que ça vous fait le même effet à vous. On va faire ça parce que c'est pas très très sexy, hein, et j'ai très envie de savoir ce que c'est que ce truc de l'autre côté. Dites-moi pas qu'il y a un autre corps planqué dans cette salle, ça serait dommage. Non. Ouais, on fait ça. Je récupère le corps manquant. Je vous dirai combien de temps j'ai mis. Et puis on reprend le stream direct derrière. A tout de suite.